Il s'agit d'un chef de chantier français qui s'appelle André et voilà, qui est bien français, qui a beaucoup de certitudes, beaucoup de clichés, beaucoup de prêt-à-penser, on va dire. Les femmes, ils les aiment au lit et à table. Ouais, il est con. Bien sûr qu'il est con. Mais il a pas dit qu'il était intelligent. Et c'est pas une excuse, hein. Il déteste s'excuser. Et je ne prétends pas le seul. Ils sont plusieurs comme ça. Ils sont plusieurs millions. Ils sont plusieurs millions de cons qui changent pas. Et il va rencontrer de manière complètement incongrue une jeune émigrée clandestine biélorusse, Svetlana, qu'il va prendre au début pour un jeune homme, qu'il va prendre un peu sous son aile comme ça, et puis l'embaucher sur son chantier. Et en fait, il se trouve qu'il va se rendre compte assez vite que c'est une femme, mais avec qui il va passer 28 nuits. Et pendant ces 28 nuits, il va se passer beaucoup de choses. Avec mon opinel, j'ai fendu le sac et le plâtre s'est déversé sur lui. C'est un bizutage couillon qui te salit le bungalow et gaspille le matériel. On a fini à l'Heineken. Il y a des habitants de partout dans le France et dans le monde qui considèrent que le théâtre ou l'art en général, c'est pas pour eux. Voilà. Et j'avais envie de trouver le chemin pour les emmener au théâtre. Alors c'est assez paradoxal d'écrire une pièce pour les gens qui ne vont jamais au théâtre. Alors l'idée d'Entravo, c'était ça, c'était de trouver un personnage qui est le personnage masculin, André, qui serait leur représentant sur scène. Et qui est quelqu'un qui, d'office, se sentirait pas concerné par le théâtre et l'art en général. Et puis de lui faire rencontrer sur son chemin une femme qui est l'étrangère dans tous les sens du terme. Il se trouve qu'elle est biélorusse dans la pièce, mais c'est surtout une étrangère. Et de lui faire de le déplacer, de lui montrer que peut-être l'art, le théâtre, c'est juste accepter de regarder un petit peu autrement une chose qu'on a pris l'habitude de toujours regarder de la même manière. Et les souvenirs, ils se déplient, ils se défloissent. Tu passes encore entre chaque bouton. Et tu retrouves le souvenir comme neuf. Moi, je trouve ça plus facile de parler d'André, presque. Bah vas-y, parle d'André. Il symbolise quoi, André, alors ? Oh, ben, c'est... moi, je trouve que c'est des personnages qui donnent beaucoup espoir en l'âme humaine. Voilà, c'est un peu pompeux, hein, comme terme, hein. Je m'excuse, mais c'est compliqué de parler autrement, mais... voilà, c'est un personnage qui me touche beaucoup, par exemple. Et Svetlana, je pense que j'ai pas encore assez de recul. J'adore jouer ça, mais je pense que c'est mieux d'être encore le nez sur la vitre et de pas arriver à la définir. Parce que si j'arrivais à la définir, je crois que je serais moins heureuse à la jouer. T'es pas là, tu dis, t'es glimbalin, tu dis, tu essaies de voir ce qui ne couvre le village, mais tu vois rien. Alors, tu crois pas. André, moi je l'aime beaucoup, je crois qu'on a tous un petit beauf à l'intérieur de nous. Faut le savoir. Après, c'est pas grave. Je dirais, il faut lutter contre. Et Svetlana nous aide à lutter contre. Et voilà. Mais il faut pas penser que le combat est gagné. Bon, tu veux te battre ? Quoi ? La vie, c'est du sable. Tu marches dedans, ça laisse pas de pelules. De traces. Tu veux te battre ? On dit trace, pas pelure. Et moi, je dis pelule. Allez, viens te battre. La vie, c'est une pyramide. Tu l'as construite, peu à peu. Oh, allez, parle, va faire un troisième enfant à ta femme. Je pense que c'est un combat qui n'est jamais gagné. Il y a toujours une envie de repos, de stéréotypes et de tranquillité au fond de chacun d'entre nous. Et le théâtre est là pour détruire, enfin le théâtre ou l'art général est là pour, pour malmener ce confort intellectuel dans lequel on tombe tous régulièrement. Une fille, casque de chantier, talons aiguilles, nue sous son bleu de travail. Même tes fantasmes sont des clichés. Oh putain, chambre! Quand quelqu'un intervient à l'intérieur de
de moi pour dire des choses désagréables, c'est souvent aux gens. Hein. Il vaut mieux ça que de faire une fixette sur des animaux ou sur des gosses. Les fantasmes, c'est dans ta tête. Pauline nous avait parlé de ça à un moment donné, c'est moi c'est une image qui me reste un peu sur un personnage qui pourrait être symbolisé par une verticale, quelque chose qui monte, qui est en ascension, qui se construit peu à peu, comme il dit, ce serait André, et puis quelque chose qui est horizontal, qui traverse, voilà, comme Svetlana. Et donc c'est ces deux droites-là qui d'un seul coup se rencontrent. Elle se promène à l'intérieur de moi avec sa lampe allumée au milieu du front et elle avance. Elle marche à travers mes veines, mes tendons, mes muscles, comme au milieu de la forêt vierge.